Putain, ça marche. Ça marche, incroyable. Et bonsoir à tous et bienvenue dans la saison 10 de WWE Supercard. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Ils l'ont changée, enfin c'est toujours la même, mais ils ont changé les paroles. Elle les hurle dans mes oreilles, c'est horrible. La saison 10, après la petite vidéo que j'ai faite sur la saison 9 il y a 15 jours, nous avons la saison 10, j'espère que mon compte il est encore attaché. Bon, de toute façon, il va y avoir des problèmes, hein. La saison 10 est sortie hier, à l'heure où je tourne, moi je crois qu'on est le 16, elle est sortie le 15. Et le 15, évidemment, à chaque fois qu'il y a une mise à jour de Touquet, de Supercard, ça marche pas. Donc j'ai passé toute la soirée à essayer de jouer et ça a pas marché, ce qui fait que j'ai passé toute la journée à attendre pour pouvoir enfin lancer cette saison 10, s'il te plaît. Ah, c'est bon? Est-ce qu'on peut lancer la saison 10? Wow! C'est parti. La saison 10, on nous l'avait promis. 4 nouveaux tiers. 4. Comme on peut voir. Alors, il est moche. Il est pas mal. Et il est moche. Donc, bon. Autant dire que... je sais pas si on voit ma souris. Donc, moche. Et éventuellement, ça passe. Oui, je suis assez critique sur les designs des cartes en général. C'est souvent pas ouf, mais ça fait plaisir. On les connaît. Allons-y. Oh, participant saison 2. Attends, ils vont me donner un pack. Alors, oui, j'ai pas participé à toutes les saisons, mais j'étais là saison 2, c'est vrai. Donc des cartes du tiers d'avant. Que des soutiens. Ah non. Ah, donc en effet, ils avaient promis qu'ils changeraient ça. Ils ont réduit, donc c'est plus en millions, c'est en rien, 43. Ils ont réduit les scores, 4 en puissance, 4 en charisme. Oh, on est retombé 10 ans en arrière, en fait. 35. Ah, ça va faire trop bizarre. Oh, 500 balles. Pff, allez, merci. Ah, ça va faire trop bizarre. Merci pour les cadeaux, hein, mais ce qui est triste là-dedans, c'est que tout ça, ça me sert à rien. Un dos de carte, ok. C'est quoi ça? 51 000 d'XP. Ah oui, d'accord. Ok, c'est ça. Donc j'avais lu aussi qu'il y avait un nouveau système de ranking pour les joueurs. Ça va être long, hein. Là, ils sont en train d'accumuler 10 ans de jeu. Pile. Alors, gagnez de l'XP pour augmenter votre niveau de joueur en obtenant de nouvelles cartes. Chaque fois que vous monterez d'un niveau, vous recevez un pack de récompenses. Me dis pas que je vais en recevoir 12. Et d'autres bonus potentiels tels que des paliers de cartes augmentées. Niveau supérieur. Waouh. Alors là, ils ont mis un système de ranking de... Ah non, mais c'était très sympa, mais alors là, ça va durer une heure. Oh, cette musique, elle va me prendre la tête. Tu rends Tempeste, donc finalement, quand tu sens pas bon Tempeste, ça c'est le nouveau rang, après Panthéon, augmentation de la rareté du joueur. Ici, vous pouvez voir les récompenses et les informations pour chaque niveau du joueur. N'oubliez pas de récupérer votre pack récompense chaque fois que vous montez de niveau. Oui, on le fera. Bon, très bien, terminé. Oui, non mais, me fais pas chier. La saison 10 est là, bienvenue dans la saison 10, découvrez le nouveau mode campagne. Alors ça, c'est incroyable, ils ont fait un mode campagne, 10 ans. La fabrication de cartes, les tonnes de nouvelles cartes superstar, bien plus encore. Allons-y. Je peux jouer. Ça y est. Waouh. Oh, le décor. Ah, dans 3 heures, il y a un Road to Glory, merci. Merci de me prévenir, hein. Ouah, c'est des équipes. Alors, ah oui d'accord, le truc il est bugué. On nous montre Bianca Belair, mais c'est pas Bianca Belair du tout. Bon, il y a un Road to Glory dans 3 heures. Je sais que, bon, il est de coutume de farmer au début et d'aller chercher vite toutes les tiers de supérieur. Déjà, je suis pas sûr d'être en mesure de l'obtenir, vu que bah, c'est 4 tiers au-dessus de mon tiers à moi, hein, donc voilà. Pourquoi il n'y a pas de musique ?
Ok, donc là, il y a Wild, mais il est là aussi. Il y a un nouveau Battle Pass. Oh, elle est stylée cette carte. Waouh, elle est trop stylée cette carte. Mais évidemment, je ne l'aurai pas. Ah, c'est nouveau, tiens. Passe premium à 32 euros, merci. Oui. Donc, passe gratuit, j'ai ça. Voilà. Et au mieux, j'aurai quoi? Ça. Oui, avec même pas une chance d'avoir Becky Lynch. Donc, je ne l'aurai jamais. Hein. Je ne l'aurai jamais. Puisqu'il faut que je paye. Et évidemment. Mon niveau, fais voir. Ah ouais, bah tiens, allez, ouvrons ces packs-là. Il y a quoi là-dedans? Grenouille. Ah, c'est un avatar. Ah oh, ils ont mis des vieux avatars tout moisis. Voilà, Dragunov. Allez. Ah non, mais alors dès que je ramasse une carte, tu vas pas me mettre ce truc d'XP là. Je l'ai déjà celle-là. Non, mais Non, non, non. Tu vas pas me mettre cette animation d'XP à chaque fois que je gagne une carte. Alors, je ramasse ça. Oh, Gigi Dolin. Je ne l'avais pas. Alors attends, on va garder un truc. Attends, parce que là il y a quand même un gros bordel. J'ai des récompenses. Ah, ça c'est les tickets que j'ai pas ramassés. Comme vous pouvez voir, des tickets, j'en ai 1080. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bah oui, parce que ça fait un bon moment que je m'en sers pas de mes tickets. Et j'ai découvert un truc, c'est que t'es limité à 1000. Mais si, donc ça veut dire qu'à partir de 1000, tu ne peux plus les ramasser. Vous savez, les tickets, c'est les trucs des défis quotidiens. Ça existe toujours, ça. Voilà. Ben voilà, lui je veux le récupérer, je peux pas, j'ai atteint le maximum de 1000. Mais par contre, tu les ramasses pas quand quand les défis vont changer, au bout de 5 heures là, donc au bout de 1 jour, quand les défis vont changer, il te les envoie par message. Donc finalement, tu les récupères quand même. Et voilà, je vais pouvoir là, bah, je vais pouvoir me gaver. Hein. Parce que je peux avoir jusqu'à des détentions. C'est quoi les tiers là? On peut les voir ou pas? Pourquoi je vois pas ma gueule? Le catalogue, vous pouvez y consulter votre collection, forger une nouvelle carte. Essayons de forger une carte. Vous aurez besoin de matériaux pour forger des cartes. Voici quelques cristaux et super coins pour débuter. Oh non, les dingos, ils ont pas fait ça. Alors s'ils ont fait ça, c'est incroyable. Cristal Pro. Cristal. Super coin. Voici votre première monnaie de forgeage. Obtenez-en davantage pour forger de nouvelles cartes. Utilisez le bouton forger pour voir quelles cartes vous pouvez créer. Sélectionnez une carte que vous souhaitez forger. Je suis obligé? Putain, il me force à chaque fois, j'aime pas. Ah merde, alors bon. Alors du coup, bonne idée, mais décevant. Parce que moi j'ai cru qu'on pouvait forger toutes les cartes spéciales. Eh ben non, évidemment, hein, la baiserie, tu pourras pas forger les cartes spéciales. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai pas? The Rock, The Miz, Roman Reigns, Harry Player, Raquel. Ah si je savais laquelle c'était pour la collection. Bon, fais-moi Hulk Hogan. Allez hop. Consultez ces informations, appuyez sur le bouton forger. Il me faut 24. Peu importe, il me faut. Alors lui, il coûte plus cher. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà. D'accord. Une carte que t'as pas, ça va te coûter 350 super crédits, très peu, et 24 crédits, jetons bleus. Faut voir aussi comment on les obtient. Par contre, une carte que t'as déjà, ça te coûte 24 700 et 4 jetons pro. Bon, je suis pas obligé. Voilà, moi par exemple, je voulais ça, moi. Je veux cette Becky Lynch. Ça marche pas. Ah ouais, donc on peut forger les cartes maintenant. C'est incroyable. Image de profil. Le mode fort. Alors, on est. Attends. Bon, je suis très décousu parce que forcément, je découvre tout. J'ai envie de faire un peu tout. Ah, on démarre à partir de WrestleMania 39. La vache. On passe à 8 tiers actifs. Ah, mais moi, je pensais qu'en héritage, on allait recommencer à partir de là. Ils ont tout dégagé. On commence à partir de WrestleMania 39. C'est incroyable. Mais Panthéon, je peux pas, visiblement. Ça coûte 48. Eh, vache. Est-ce que je peux forger des héritages?
Non, c'est de la merde. C'est nul, finalement. Je pensais que c'était une bonne idée, le forgeage. C'est nul. Voilà, je retire tout ce que j'ai dit tout de suite. Voilà, en fait, on peut pas forger les héritages. On peut pas forger les cartes spéciales. Voilà, donc c'est de la merde, en fait. Parce que voilà, moi, j'ai très envie d'aller hop, chercher. Bah voilà. Voilà, si j'ai envie de Jack Swagger secours en 1, je le veux. Mais non. Donc voilà, bon. Bon, c'est ok. Et Avatar alors? Mais je veux pas ça, je veux pas ça en tête, c'est dégueulasse, c'est nul. Moi je veux ma tête d'Eva Marie en forge. Bon, faut peut-être laisser le temps au jeu de recharger les images, mais moi je garde ça. Bon, alors mon niveau à moi. Je suis niveau Panthéon, c'est-à-dire que ma carte de Trishtratus, elle a même pas chargé. Ah ouais, donc, en fait, bon, je sais pas si c'est un bug du jeu ou pas, nous verrons après. Je pense que pour l'instant, il n'a pas encore chargé. Puis comme je suis sur PC, voilà. Donc moi, j'en étais là. Ah, mais ça fait trop bizarre. Il avait... Bon, en vrai, ça change pas grand-chose. Parce que Dominique, il avait genre 303 millions 600 et quelques mille points. Là, il a que 303. Ça fait bizarre quand même. Ça fait très bizarre. Alors, je suis niveau Panthéon. D'ailleurs, ça n'existe plus. Ça existe plus les Panthéons plus, plus, plus. Ils ont vraiment simplifié les trucs. T'as rareté 1, 2, 3, machin. Donc il y a Tempeste. Pourquoi ils n'ont pas traduit à Tempête en français, je sais pas. Détention. Noir. Donc noir comme film noir. Donc d'où les cartes en noir et blanc. Crucible. C'est un mot que je ne connais pas. Crucible. Récipient qui sert à faire fondre ou calciner certaines substances. Substances. Un chaudron, quoi. Mais ça s'appelle un creuset. Donc, crucible, donc c'est de l'anglais. Crucible, rareté crucible. Et là, ils ont été chercher loin pour pas appeler le truc forge. Ouah, ils ont tout reset. Ah bah oui, c'est la saison. Mais par contre, mon niveau de collection n'a pas reset. Oui, donc voilà. Moi, je suis niveau Panthéon. Et j'ai fait exprès de garder Lyra Valkyria, puisque j'ai été chercher Lyra Valkyria. Voilà, je l'ai passé niveau 100. J'ai été chercher Lyra Valkyria, donc c'était les deux derniers événements rapides en turbo, on les a fait. C'était quoi? C'était un Ring Domination, le dernier, c'était un Wargames. Wargames et Ring Domination. D'ailleurs, pour le Wargames, je l'ai chopé, mais à ça, je l'ai chopé Lyra Valkyria, qui est donc combinable. Je vais aller voir mes cartes. D'ailleurs, j'ai dépassé. Oh, il y a beaucoup de choses. Mais bon. Je vais faire Lyra Valkyria. Hop. Je vais combiner Lyra Valkyria. Ce qui devrait normalement me faire passer au rang du dessus. Peut-être pas immédiatement. Ou quasiment. Hein. Il faut juste que je l'améliore un peu. Comme ça, on va pouvoir voir la montée de niveau directement. Lyra Valkyria. Vous pouvez améliorer les stats de votre carte en les entraînant toutefois. Certaines de vos autres cartes seront utilisées pendant le procédé, je sais. Oh bah merci. Oh là là, il me donne. Oh là là, il me couvre d'or. Ah ouais, mais alors, ce tiers-là, c'était un des tiers les plus hauts de la saison 9. Ça devient le tiers de base. Ça fait très bizarre. Entraîner, mais je sais. Alors, tu vas dans récent. Oh, c'est ouf! Rareté active 4. Paf! Sélectionnez au moins une de vos cartes. Oui. Ah oui, mais en fait, je vais jeter tellement de trucs. Tiens, voilà. Ah, 12 niveaux. Tu vois le nombre de niveaux que tu gagnes. Ouais. J'essaierai de noter à droite et à gauche tous les nouveaux trucs que je remarque par rapport à la saison d'avant pour vraiment vous faire un truc qui le changement. Avant, lorsque tu combinais que tu entraînais une carte, c'était un peu du hasard. Pas vraiment du hasard, parce que tu savais à peu près, mais tu ne savais pas jusqu'où ça allait. Là, tu sais que ça lui fait 12 niveaux. Donc, je peux aller chercher. Je mets uniquement les cartes qui ont 2 hein, étoiles. Je crois vous l'avoir dit dans la vidéo précédente. En gros, c'est mon niveau de collection. Une carte, tu la chopes une fois, tu as une étoile. Tu la chopes deux fois, tu la combines, ça fait 2 étoiles. Là, ça clignote parce que je ne l'ai pas encore combiné. Donc, j'ai pas encore eu la 2e étoile. Mais j'ai 2 cartes. Il me prévient que j'en ai 2, donc ça va. Je peux le passer
au rang 2. Voilà, je vais passer tout ce que je peux en mythe. Après mythe, j'ai pas fait le tri. Bon, très bien, 56 niveaux. Ça veut dire que maintenant, tu pourras mettre une carte et tu vas voir tout de suite combien de niveaux ça va te mettre. Faudrait même voir si ça dépasse. On va voir. Je suis tempête! Ça fait très bizarre. Très bizarre d'avoir que des petits chiffres comme ça. Je suis niveau tempête. Voilà. De pas grand chose. Hein. Donc, le système, comment il est fait? Si ça n'a pas changé. Il est où le tirage de draft? Bon, attends, faut que je regarde tout là. Bon, dans les decks maintenant, parce que ça a changé ça aussi. Affichage classique. Oh, c'est quoi ce délire? Oh, tu les vois... tu les vois bouger. Ah ouais, tu vois les animations en direct et tout. Oh, c'est un délire. Mais s'il vous plaît, laissez-moi l'affichage classique parce que... Il y a trop de cartes. Chambre de fusion. Ça a changé ça aussi. Waouh! Bienvenue dans la chambre de fusion. Récupérez des jetons de fusion et utilisez-les pour fusionner des cartes puissantes. Il faut des jetons. Monnaie de fusion. Oh là là, je sens qu'ils vont nous faire chier avec ça. Vous venez d'obtenir. Faut pas faire dans le rush. Hein. Vous venez d'obtenir un jeton de fusion. Utilisez ces jetons dans la chambre de fusion pour créer des puissantes cartes fusion. Faites glisser cette carte dans la chambre fusion. C'est quoi cette carte? Superstar Panthéon. Pour démarrer. Ça va me coûter 6 jetons. Mais je n'ai pas envie, Sina, putain. Ouais, et puis après, voilà. Puis moi, j'avais eu Piper Niven. Un jour. Merci. Je voulais pas, putain. Tu peux lancer plusieurs fusions en même temps et ça ne te coûte pas plus cher. Oh, t'as 3 places de rareté active, t'as une place d'héritage et 2 de promo. C'est quoi? Ah, c'est pour gagner ça. Ah, c'est des chances supplémentaires déjà, t'es même pas sûr de l'avoir. Un trésor de fusion et ça me coûte des jetons rouges. Wow, ça, je sens que c'est des trucs que je vais jamais utiliser. Tellement c'est compliqué, ça me fait chier. Rareté d'héritage. Ça va jusqu'où? Et ils comptent ça dans héritage. Pourtant, elle est active, Summer Slam. Lucien Pris? C'est qui? Je sais même pas. Rareté d'héritage. Ah ouais, donc active... Pour eux, c'est de Panthéon. Shayali. Pourquoi ici, c'est écrit Shayali et pas les autres? Dusty Road, Kurt Angle, Georgie Emuel Steel, Cameron Grimes, Bandbreaker, Shayali et Molly Holly. Ok. Ah, il me faut des jetons jaunes. Oh là là, waouh. Faudra voir quand est-ce qu'on les gagne. Quoi, vide? J'aimerais bien avoir la musique. Il arrache, quitte la musique. Donc, chambre de fusion. Ok, tableau de draft. Il est là. Le tableau... Ah ben voilà la musique. Le tableau de draft, il est dans les cartes. On le voit plus ici. Il y a trop de trucs. Je suis en train de devenir dingue. Bon, il faut que j'utilise des cartes, là. Combiné. Affiche-moi les combinables. Et je vais combiner tout ce beau monde, là. Parce que j'ai énormément de cartes. J'avais fait André, je crois. Ah, toujours pas. Attends. C'est où? Centre d'entraînement. Eh oui. Oh bah attends. Eh, foutaise, mon André, là. Quelle arnaque. Attends, on est repassé à... On est repassé à 4 jours. Alors ça, c'est un peu bâtard de leur part, parce que sur le dernier jour avant, la mise à jour, avant la nouvelle saison, les entraînements à la salle ne coûtaient plus que un jour. Ça durait plus que un jour pour une carte entière. Moi, je croyais que c'était définitif. Parce qu'il est temps, quoi. 4 jours pour avoir un 100, mais putain, on se fait chier, quoi.
J'attends encore un jour pour avoir André. Wow. Donc, enfin, j'y reviens. Je cherchais quoi? Le tableau de draft. Qui n'a pas changé? Tirage spécial A. Chaque réinitialisation de tableau de draft vous rapproche de votre tirage spécial, une carte de réinitialisation qui sera toujours à votre niveau de rareté. Ah, d'accord. Avant, comment c'était? Avant, tu tirais des cartes jusqu'à que tu avais ton tirage spécial directement, où tu avais une chance infime, pas petite, pas infime, une chance, petite chance, d'avoir une carte du tiers dans lequel t'es. Là, c'est toujours pareil, visiblement, mais au bout de 55 tirages, t'es garanti d'avoir une carte du tiers dans lequel t'es. Et ça, c'est cool. Parce que des fois, tu pouvais passer des semaines sans jamais avoir une carte de ton tiers. Et là, ils ont mis une garantie. Merci quand même. Ah ouais, donc tu tires directement des cartes de ce tiers-là, quoi. Mythe. Tu tires des cartes Mythe et des cartes WrestleMania 39. Oh putain. Ok. Mais... Ah ouais, non, mais ça à chaque fois... Oh là, oh là. Pourquoi? Il m'a donné deux pioches exclusives. Ah ouais. Donc les pioches exclusives, c'est quoi? C'est quand tu remplis ta jauge de poussière entièrement. Donc, comment tu fais de la poussière? Bon, en toutes les cartes que tu tires. Vous voyez les cartes que j'ai tirées tout à l'heure là, Yoshirai ou je sais plus qui j'ai eu. Après tu les coches, tu dis hop, je les balance et ça fait de la poussière selon leur niveau, ça fait plus ou moins de poussière. Il faut remplir une jauge de 600 je crois. Lorsque tu remplis cette jauge, t'as un tirage spécial. Et dans le tirage spécial, là il y a 16 cartes. Parmi ces 16 cartes, il y en a une qui sera du niveau tempête, hein, de mon niveau. Toutes les autres seront du niveau en dessous, et donc là, du niveau Panthéon, ça vaut pas grand-chose. Et donc, j'en aurais pas eu. Dragon Lee, c'est bien de la chiasse, merci. Ça fait trop bizarre de tirer des... Ah, ça y est. Ma freebie. Zoé Stark. Et en plus, c'est une meuf, donc... Niveau carte féminine, je serai pas en retard cette année. Je commence direct avec... Une carte féminine du tiers. Ça me saoule très beaucoup, ça. C'est pas français ce que je dis, mais voilà. Donc voilà, Montesford est déjà 2 étoiles. Hop, je discarde et j'en fais de la poussière. Comment ça se fait que j'ai eu de la poussière automatique tout à l'heure? Comme s'il m'avait tout discard alors que j'ai rien demandé. Très très bizarre. Qu'est-ce qu'on a? Le catalogue de cartes. Ouais, c'est ça. Pourquoi ça... Ah, ça clignote parce que je peux forger. Oui, mais je peux forger que les cartes normales. Donc ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, étant donné que c'est le tiers de base. Moi, je veux Asuka, là. Ah, je veux sauver J-Style, bizarre. Je veux cette Bianca Belair Backlash. Je veux ça, moi. Mais on peut pas. Bon, bah, c'est de la merde. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Qu'est-ce que... Parce qu'il y a trop de bordel, là. Ici. Fallait que je ramasse ça, aussi. Voilà, une carte tempête. Bushwhacker look. Wow. Je m'en servirai pas. Moi, je suis ce genre de gars. C'est-à-dire que si la carte ne me plaît pas, si le mec ne me plaît pas, je n'ai rien à cirer de Bushwhacker, je m'en servirai pas. Et ça, c'est pour... Une carte action, ça me plairait. Eh ben parfait, une carte action, embuscade. Comme ça, elle passera direct dans mon top 8. Et voilà, on est bien. Et on progresse jusqu'à où, comme ça? Niveau 26. Eh ben, c'est mal barré. Je pense qu'on en est très loin. Transformer en poussière? Ah, tu peux discard des cartes en poussière directement? Pas mal. Pourquoi 19? Pourquoi avoir mis des chiffres chiants comme ça? On pouvait pas faire 10, 15, 20? Non, non. Faut que ce soit des chiffres à la pisse, comme ça. Ah, mais maintenant, c'est 2925. Oh, putain. Avant, fallait remplir 600 en points. Maintenant, c'est 2925. Ok, je comprends plus rien. Et le mode campagne?
Il est temps. Ok. Bienvenue en mode campagne. Mettez à l'épreuve la force de vos cartes et voyez jusqu'où elles peuvent vous emmener. Donne-moi des cartes, vas-y. Que des cartes mythes, hein, histoire que ce soit vraiment la pisse. Voilà. Arrête de faire ça. Sélectionnez étape 1. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette étape. On dirait que votre deck est fin prêt, alors appuyez sur le bouton jouer pour commencer. Alignement. Détail du match, puissance, vitesse, charisme. 3 étoiles. Un truc bleu. Deck adverse. Ah, tu vois le deck adverse, donc il a que des cartes pourries. Et moi, d'accord. Ah, mais c'est un mode wild en fait. Ah, ok, ok, d'accord, ok, ouais, ok, je vois. Ouais. Ok, d'accord, ok. Donc un mode wild à la pisse. Et tu joues donc contre l'ordi, mais ça bouge pas. Reste à voir quelle est la récompense du mode wild. Enfin, la récompense du mode wild en mode campagne. Ok. On va lire à Valkyria. Ouais. Vous voyez comme ça me waouh. Je suis à ah comme un ouf là. Le mode campagne, c'est un mode wild. Ouais. 3 étoiles. Et je suppose que tu as 3 étoiles en fonction des nombres de points que tu fais. 3 étoiles. OK. Vous pouvez obtenir jusqu'à 3 étoiles dans chaque étape, selon votre performance. Lorsque vous obtenez 3 étoiles dans une étape, vous aurez une récompense. Quelle est-elle? Un cristal de forgeage. Chaque étape sera de plus en plus dure, avec un boss toutes les 7 d'entre elles. Si vous retrouvez coincé, essayez d'améliorer vos cartes pour... Obtenez 21 étoiles, tu gagnes quoi? Des cartes de ton rang, ok. Je suppose qu'à la fin, tu gagnes le tier max, quoi. Wouah, la carte Razor Ramon édition limitée, elle est stylée. Ah non, mais t'es en train de me dire que seuls les 1000 premiers qui vont... Bon, tu peux être sûr que je l'aurai jamais, voilà. Elle est très jolie, cette carte Razor Ramon, mais je l'aurai jamais. Parce que seuls les 1000 premiers vont l'avoir. Et avec les animaux qu'il y a dans ce jeu, des mecs qui payent et qui payent des crédits à l'infini pour gagner, oui, je l'aurai pas. Hein. Et là, Iron Chick. Et c'est... En plus, je les trouve même pas jolies, les cartes, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont mis une sorte de vieux... Ouais, elles sont floues. Enfin, c'est peut-être le jeu, c'est peut-être ça charge pas très bien, je sais pas. Il va fermer sa gueule, Gunther, un jour, ou... Ou c'est comme ça. C'est quoi la fin? Pourquoi End? La fin, c'est Bianca Belair. Ah, je suis en novice. Je n'ai 252 étoiles et battre le boss final. Pour faire en amateur. Après en amateur, voilà. Après amateur, t'as quoi? T'as pro. Ça s'arrête en pro. Ça s'arrête en pro. Et le boss final, si c'est pas Roman Reigns, c'est honteux. C'est Rey Mysterio. D'accord. Ok. Ok, ok. Et combien d'étoiles il fallait? Pour avoir Razor Ramon? 756. Divisé par 3. 252. Il y a 252 niveaux. Sachant que moi, avant-hier soir, pour jouer 180 matchs de Wild, 180 matchs, ça m'a pris toute la journée, ça m'a pris environ de... Allez, on va dire... ça m'a pris de... Allez, ça m'a pris 6-7 heures. Ça m'a pris 6-7 heures pour faire 180 matchs, et eux, ils veulent que j'en fasse 200... 250 et quelques, là, pour
pour avoir Razor Ramon édition limitée. Ce que je n'aurai jamais, hein. Les gens ils vont se ruer dessus et voilà. Ok. Ah, je peux voir les membres de mon équipe. Quoi ? Oula, apparemment mon équipe c'est des shows. Hein. Parce que mon équipe là ils ont déjà fait plein de... Parce que tu peux faire un mode campagne en équipe, j'ai rien compris. Ah non, si ton équipe récupère des étoiles, vous récupérez des trucs. Ah, stylé. Moi je vais farmer de toute façon. Hein. C'est-à-dire que maintenant, il y a toujours un truc à faire dans le jeu, c'est jouer au mode campagne. Qui visiblement est en wild, ça veut dire que tu n'as pas de limite de jeu. Tu peux jouer tant que tu veux. Donc, c'est très bien. Mais bon, là ça devient... Le fait d'avoir mis une édition limitée à la fin, vous êtes un peu des bâtards parce que ça donne juste envie de jouer, mais... Enfin, pour des mauvaises raisons, quoi. Mais voilà, il y a quelqu'un qui est un malade dans mon équipe, là, visiblement. On repart de loin, là. De très très loin. Tiens, d'ailleurs, faut que j'utilise ces tickets, là. Allez, hop, envoie. Hop là. Alors, la merde, la merde, la merde. La merde, la merde. La merde, la merde, la merde, la merde. Une rase. C'est... Ah, j'ai une tempête. Et ça se trouve, c'est une amélioration. C'est une amélioration. Eh ben génial, j'ai dépensé 100 tickets pour rien. J'ai rien eu. Mais alors, que dalle. Merci. Hein. Merci, merci. Alors que je peux... On est censé pouvoir avoir une détention. Hein. Et j'ai rien eu. Génial. Merci à vous. Voilà. Jeu qui se fout de ma gueule, mais allègrement. Ils ont dû... Vu qu'on est en début... Je fous de ma gueule ou quoi? Je connais les défis. Vu qu'on est en début de truc, je pense qu'ils vont... Ils ont dû mettre des taux de drop immondes. Vraiment, genre de 0, quelque chose. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai rien à faire. Enfin, je jouais, quoi, je veux dire, mais... Voilà. Donc va falloir que je mette de l'ordre dans ce merdier, parce que j'ai, comme vous le voyez, j'ai 465 cartes, dont combien j'en ai en héritage. 23? Non, c'est pas compris. Voilà. 303. J'ai 465 cartes, dont 303 qui ne sont plus actives, donc 303 qui ne servent plus à rien. Il va falloir que je fasse le tri, que je me sépare difficilement, hein, parce que, putain, Vader, je m'étais fait chier à le faire. Alors, il est très simple à faire, c'est pas le problème, mais il m'avait pris un temps, parce que ça n'avançait pas, c'était long. Et j'ai des cartes spéciales, comme son Robocop, par exemple, que j'ai pas envie de lâcher. Et cette carte d'Alexa Bliss, je ne la lâcherai jamais, elle est trop stylée, cette carte. Ça va être dur. Comme cette Asuka, là. Asuka et Mission Chamber, j'ai dépensé... Combien j'ai dépensé de super crédit? Je sais même plus, 36 000. Oui, c'est ça. J'ai dépensé 36 000 super crédits pour l'avoir. Tu crois que je vais l'acheter comme ça? Mais allons. Je fous de ma gueule. Cette Mandy Rose qui n'a même plus d'image. Pourquoi je la jette pas? Non seulement parce que ça m'a fait... Je me suis tapé deux events pour l'avoir. Et en plus, elle est plus dans le jeu. Donc c'est une carte qui n'est même plus possible d'avoir. C'est pour ça que je la garde. Ça sert à rien. Hein. Mon Farouk. Mon Farouk. 9951ème sur 10 000. Tu te rends compte que je suis passé à ça, quoi. On devait être tous au coude à coude et tout. J'ai été chercher Farouk. Jamais je le jette, mon Farouk. Voilà. Donc après, ça, c'est des caprices. Hein. C'est des trucs qui font que je vais rester toujours à 450 alors que... Oui, alors que je pourrais très bien me débarrasser de tout ça depuis longtemps. Calmos. Je vais y aller tranquille et monter progressivement jusqu'au niveau maximal. Parce qu'il n'y a aucun problème à ne pas aller chercher les cartes du sommet. Hein. C'est-à-dire que là, pour cet événement, au mieux j'aurai Mark Coffey, et bah ça me va très bien. Je m'en fous de rater André Chase. Complètement. Je m'en fous. Voilà. Parce que moi, je marche aussi à la gueule du truc. Hein. Si c'est pas Alexa Bliss ou Roman Reigns à aller chercher, je risque pas de me ruiner la gueule. Mais bon. De temps en temps, on le fait.
En tout cas, voilà, c'était un gros bordel cette vidéo. Je sais même pas comment au montage j'aurais fait pour vous montrer, mais j'espère que je l'aurais fait. Vous avez toutes les nouveautés qui sont affichées à droite et à gauche de, bah, du jeu. Ce mode campagne, je vais essayer de le farmer. Je referai des vidéos sur Supercard. Je ferai des petits points comme ça de temps en temps. Peut-être, bah, par exemple, quand est-ce que... 15 jours, il reste 15 jours ce Carl Anderson, donc logiquement dans 15 jours on aura une carte événementielle. Et bah, peut-être dans 15 jours je referai une vidéo pour vous montrer cette carte, et en même temps je pourrais vous montrer mon avancée et ma collection également, puisque pour l'instant dans ma collection c'est où ce bordel, putain il faut que va falloir que je m'y fasse parce que je... voilà, dans ma collection j'ai deux tempêtes et là j'ai rien, et ben bah, on verra où j'en serai la prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir regardé, jouez-y. Choper la saison 10, allez, venez me battre, ça sera pas dur, parce que, comme je vous l'ai dit, je vais y aller mollo. Et on se retrouve la prochaine fois pour n'importe quelle vidéo, puisque je fais tout et n'importe quoi sur cette chaîne, c'est pour ça que vous me suivez. Et aussi pour Nancy Drew, je le sais, mais un peu de Supercard de temps en temps, ça fait plaisir. La bise à vous, à la prochaine.